Ok, YouTube, ils sont de ça pour la vidéo. J'espère que vous allez bien. De mon côté, tout va très bien. On se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo sur la nouvelle mise à jour Sadita. Donc, je tiens à vous dire que je suis une grosse quiche. Je ne connais pas vraiment la classe. Si on peut infecter comme ça, j'en ai aucune idée. Un truc un peu comme ça, on peut infecter? Bah, tu vois, je suis à la rue complet, les mecs, hein. Ouais, ça bégaye, ça bégaye. Ah putain, le pire joueur. J'en sais mais je suis pas le meilleur des Sadis, les frères. Je débute les mecs, souviens du temps. On va voir, on va parler un peu de la mise à jour. Donc, il faut que je regarde un petit peu les sorts. Ok, mangrove. Y a pas un truc, si j'ai infecté l'arbre, ça faisait un truc stylé. Y a pas ça, Inok? Non, contagion. Non. Mais il devait avoir moyen en fait d'infecter. Ah, c'est qu'avant de sève. Ok, je crois que c'est ça. Ouais, je sais même pas en fait. Je vais dire ouais, désolé les mecs. Hein. C'est juste histoire de faire une petite vidéo parce que j'ai pas trop le temps de jeu. C'était pour vous donner aussi mon avis sur la mise à jour en fait. En gros, qu'est-ce qui va se passer? Je trouve que le Sadia actuellement non contre 1 est trop fort. J'ai juste fait un combat tout à l'heure pour voir à quel seul j'allais être mangé. Et c'est trop fort. Franchement, c'est trop fort. J'ai fini full vie sans rien faire. Jouer avec mes orteils, ça gagnait. Enfin, c'est stupide. Franchement, c'est stupide. Le Sadida est vraiment beaucoup trop puissant. Voilà, je tenais à le dire. Je crois qu'on peut faire ça deux fois par tour, donc je vais pouvoir infecter assez tranquillement. Mais il y a quoi concrètement comme ça pour infecter maintenant là? Un ennemi infecté, puis bah, je sais pas. Il doit avoir des dingueries, les mecs. Hein. Il doit en avoir. Il met tout sur mon arbre, le frérot. Il avance, ok. On est avec un Roub Helios Ram. Bon, du coup, elle s'attend en contre 1. Je trouve la classe totalement cassée. Quand je dis cassée, c'est beaucoup trop forte. Bref, c'est stupide. Il n'y a pas débat. La classe, elle est broken. Turbo broken. Bah, je sais pas pourquoi ils ont pondu ça en fait. Oh, ils tuent mon arbre, ça c'est pas cool. C'est pas gentil de sa part d'avoir killé mon arbre. Et en plus, il fait une zone infection. T'es pas gentil, mon ref. Hein. Alors, on va voir, hein. On va voir comment il infecte. Avec miasme. Donc, c'est bien la variante de ça. Ok, donc je le saurai pour la prochaine fois. Il va aller se recacher derrière. Mais heureusement, on va faire un truc un peu claqué comme ça. J'ai quoi après à 3 PA? Sacrifice vaudou, ça tabasse ça, en vrai. Vas-y, moi je m'arrache, gros. Je m'arrache, on va y aller un petit peu de loin. On clean le jeu, malheureusement. C'est pas foufou, c'est pas foufou. En fait, il faut que je joue avec l'autre. C'est la variante R qui infecte. Vont croire que je suis un méta slave alors que je suis main Sadie à la base. Ça me fout droit. Mais on va gagner, je pense. On va gagner. Allez, je peux soin. On va gagner. Par contre, sacrifice vaudou, c'est quoi ça? Ça tape trop fort. C'est n'importe quoi. Mais pourquoi il y a écrit soin? C'est quoi ça? Tu vois, c'est pour ça qu'en vrai, j'ai même plus envie de faire de 1v1 et tout. Bon, déjà, c'est parce que ma classe, ça a changé. Moi, je suis un petit peu un vieux de la vieille. J'aime pas changer mes habitudes.
Genre, tu vois, je me gare toujours à la même place de parking chez moi. Mais en vrai, tu vois, c'est un truc à prendre en main. C'est un truc à prendre en main. Je pense qu'il y a des choses stylées, des choses un peu moins stylées. Mais la casse, elle est beaucoup trop broken actuellement. Et... Voilà. On va pas se mentir, vous avez vu. On peut infecter des trop facilement. Waouh. Le parasite a quand même fait mal. C'est ok, franchement, le parasite a bien pété les burnes. Donc le Yop, un peu dans le mal. Je pense que ça va être son dernier tour. Après, il est sous parasite. Contagion, ça tape fort ou pas? Non. Ça tape fort quand même en vrai. Je pense que le Diop, il va bientôt clam, ça. Il va faire son baroud d'honneur et puis c'est tout. Il le sait, nous le savons, vous le savez. Peut son mon allié. Faire la gonfle après. Ouais, non, on est bien. Ah merde, c'est pas mon arbre, ça. Faut pas que je fasse le con. Va clean l'arbre du Sadi, c'est très bien. Moi, j'apprécie, hein, franchement, c'est. C'est nickel. Bon, maintenant c'est que 2P, on peut le mettre across the map, mais ça c'est toujours mieux quand il a pas quoi. Ça a dit, il passe son tour infecté, mais il tape pas très fort en vrai. Quoique, en vrai, si ça tabasse. En vrai, si ça tabasse de ouf. Est-ce que si j'ai une ligne de vue? Voilà les mecs! Hein? C'est quoi ce truc qui pue du cul là qui vient de se passer? Waouh, dinguerie. Dinguerie. Ouais, je suis désolé les mecs, hein. Ouais, je voulais dire je suis désolé parce que là c'est scandaleux ce que je propose. Je pensais taper l'autre Sadi, tu vois, l'inoc. Ouais, il fallait que je fasse quoi? Fallait que je... Ok, j'aurais du compta. Ouais. Bah écoute, c'est le premier combat. Eh, franchement, soyez indulgents. Je suis mille fois désolé, les frérots. D'ailleurs, attends. Bah, en fait, la vidéo, tu vois, c'est pas pour montrer mon talent. C'est pour juste dire que voilà, les nouveaux Sadis sont complètement turbo broken. Comment tu sais qu'une case est turbo broken? C'est quand tout le monde la joue. Voilà. C'est quand t'as une case que tout le monde joue, faut pas se poser 36 milliards de questions, c'est qu'il y a un truc qui va pas quelque part. Ça casse les pieds son sort là, ça. Ouais. C'est un peu les pieds. Il a été pas mal soin par les cas cheat, pour ne pas dire les cas flip. En gros, on se complique grave la vie à cause de moi. My bad. Le Yop est en sortie de précis. La 9PA, il va quand même pouvoir faire mal. C'est contre-coup, il y a 1000 tours. Ça reste 1000 tours, son truc là. Ouais. Quoi, je tape au corps à corps? Ouais, non, on s'en fout quand même. Je suis en stalag, c'est ça? Miss Vertu. Donc c'est un vue distance, ok. Il faudrait pas enclencher le Sadi en vrai. Le debuff. Il a tué son chaton, ok. Il y a combien de raises? Question.
Vertus débuffe pas. Tu vois, heureusement que j'ai demandé. Quand même un peu mal, hein. Je fais ce qu'il me dit. Ça débuffe que d'un tour maintenant les trucs. Franchement, je suis vraiment un zgag, hein. En vrai, je pense que si j'étais pas aussi autant un noob, on aurait gagné. Là, il n'y a aucun de mes tours qui est valable, en fait. Aucun de mes tours qui est valable. C'est assez triste, d'ailleurs. Et si la Vertus débuff, j'aurais peut-être du Groot. Pour comment ils vont pouvoir faire pour essayer de se régénérer? Que le diable va me focus moi ou est-ce qu'il va aller sur l'autre? On va pouvoir essayer de survivre les mecs, hein. C'est pas sûr en vrai. Est-ce que lui est encore infecté ou pas? Ouais, s'il est plus infecté, il y a moyen de faire un truc. Il est plus infecté, c'est bien joué là ce qu'il a fait notre ami Merci Love de tacler un petit peu. Ah. Attends, on peut faire ça? Se mettre un soin? C'est n'importe quoi. Bon, qu'est-ce qu'on va pouvoir essayer de faire, nous? J'aimerais bien essayer de tuer Liop. On va faire un truc comme ça. Yes, ça tue. Donc là, déjà, ça c'est un bon point. J'ai pas eu le temps!
Bon, elle va se manger un tort, c'est de sa dead. 30 HP, tout rien, c'est toujours 3 PA, enfin 2 PA, on va voir. Bon, c'est ok. Il résiste un tour, est-ce que c'est ça qui va faire la diff? Moi, je vais re-soigner. Hein. Qu'est-ce qui se passe là? D'accord. Ok, la régène. Très bien. Gros gros DPS, fait plaisir. J'ai pas vu la redim, mais elle est balèze. Hein. Le DS est peut-être un peu too much. Très bon tour de mes mates en vrai. Y a pas un truc qui clique TPA, R ou un truc comme ça? Là, ça va nous régène à fond. Je vais commencer à prendre la régène de la gonfla. On est sûr de ne pas faire de dinguerie. Je garde le popo là pour éviter qu'il aille taper dedans, sait-on jamais. On est bien, on est bien, on est bien. Ouais, je trouve que le nouveau Sadie est particulier. Enfin, le Sadie-Terre en face, il a fait des bons dégâts et tout. Moi, j'étais naze, j'avais pas les bons sorts d'infection, etc. Je connais pas les variantes. Mais je trouve que c'est quand même assez une dinguerie. Donc, il faut que je joue avec Miasme. Très important. Et la variante du debuff, c'est quoi? Parce que le debuff est plus aussi intéressant qu'avant. Ouais, c'est. Oh, mais c'est ronce, ouais, donc y a pas de meilleure variante. Il n'y a plus un sort R qui kick DPM, là? Il y en a un, je crois. Hein. Mais je suis débile, c'est contagion, d'accord. Ouais, il y a plein de choses à avoir, mais je trouve que nouveau Sadie est vraiment un peu trop fort à mon goût. Voilà. C'est du scandale. Je vous le dis, monsieur, c'est scandaleux. Ouais, bon, premier combat, c'est cool. Est-ce qu'on a reçu nos Zogrin, nous? On allait s'abonner parce que je me suis abonné pour l'occasion. J'attends de recevoir mes Ogreens et je m'abonne un an, les mecs. Si la vidéo t'a plu, même si ça a été naze. Full fail, premier combat. C'est pour vous montrer en gros, tu vois, dès qu'il y a une mise à jour, bah, en fait, ça peut vite être déroutant pour une personne qui a l'habitude de jouer sa classe et quand il y a des modifs, bah, c'est plus du tout la même classe, quoi. Voilà. Donc j'étais assez perdu là-dessus, mais j'espère que ça vous aura tout de même plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à le faire savoir. Donne-moi ton avis en commentaire sur le changement sur cette méta, que ce soit sur les Eka Flip ou bien les Adidas. Et puis je te dis à très vite, je vais essayer de reprendre des vidéos. Voilà. C'est fin de ça. Merci à mon équipe, à plus.